Eh bien, bonjour à tous et à toutes sur la chaîne de Yoda-san. Je vais vous parler d'une fonctionnalité de Windows 10 qui a été lancée à partir de la release Windows 10 Spring Update en 2018. Donc en version 803 ou alors 809. Voilà. Alors c'est une fonctionnalité qui s'appelle Timeline. Et qui en fait est géré aussi par la vue des tâches. Alors je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Quand vous cliquez sur la barre de tâches à droite, vous veillez à afficher le bouton application active. Voilà. Donc vous verrez l'icône bien spécifique ici. Voilà, avec un espèce hein, de multi-écran avec l'icône là et un petit curseur sur la droite. Voilà, donc c'est le nouvel icône de la vue de tâche qui existe donc sur les dernières versions, hein, les builds de Windows 10 et que je trouve ça sympa. Alors pour une fois que je trouve une idée Microsoft vraiment sympa, eh bien, elle en fait partie. Hein. Timeline, ce que l'on pourrait traduire par le fil chronologique, vous permet de retrouver les activités que vous avez effectuées, que ce soit en surfant, en ouvrant des fichiers, en créant des fichiers ou des documents, et de les retrouver sur les jours précédents, hein, comme si ça avait gardé une trace hein, de ce que vous avez fait au niveau de votre productivité. Alors, on s'aperçoit qu'en cliquant sur l'icône, voilà, on a ce qu'on appelle donc ce fameux fil chronologique ici, hein, avec le curseur que vous pouvez défiler et retrouver à différentes dates précédentes. Voilà, les documents que vous avez consultés, voilà, voyez un petit peu. Et vous pouvez aussi activer un plus de jours dans la chronologie en validant oui, jusqu'à 30 jours hein, précédents. La date à laquelle vous consultez le fil chronologique. Alors, on retrouve aussi les bureaux virtuels, puisque ça affiche en même temps hein, le gestionnaire de bureaux virtuels, avec les applications ouvertes ici et que vous pouvez hein, repositionner sur les bureaux. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que moi j'étais resté longtemps en version Windows 10 anniversaire. Pour x, y raison. Et effectivement, je me suis décidé enfin à installer une version, une build récente de Windows 10, notamment la 17134, ce qu'on appelle la Redstone 4. Voilà, donc c'est l'avant-dernière version, avant la 809, faut pas s'y perdre, et avant celle qui va être déployée prochainement. Voilà. Donc, on peut faire disparaître hein, hop, cet écran de timeline en cliquant n'importe où, voilà, et revenir sur votre bureau. Bon, là je suis sur l'ordinateur de mon taf grâce à TeamViewer et je vais vous montrer donc sur mon bureau de mon autre bécane de test hein, et de bidouille, enfin bref, multitâche. Évidemment on n'a pas le même look. La timeline. Alors la timeline, vous pouvez donc l'activer en faisant afficher le bouton application active, clic droit sur la barre de tâches, hop, voilà, donc cette fameuse icône hein, que l'on a vue sur mon autre ordi. On clique ici, voilà. Ok, voilà. Alors, quelque chose que vous avez remarqué, qu'est-ce qui se passe? Là, je voulais vous montrer effectivement un hein, comment faire marcher bien cette timeline. Pourquoi je vous ai montré deux bureaux? Je vous ai montré le bureau de mon ordi de taf où tout marche parfaitement. On voit le fil chronologique et on a pu voir les applications actives ouvertes à ce moment-là hein, dans le bureau, dans les bureaux virtuels. Donc ici, là, par contre, sur mon autre ordi qui est en version 803, celui de mon taf est en version 809, la plus récente. Ici, on ne voit que les applications actives. On ne voit pas du tout de chronologie de ce que j'ai pu faire avant. Hein, vous voyez, donc là, je peux évidemment déplacer les applications dans le bureau virtuel, mais par contre, je n'ai pas accès à ce fil chronologique. Il n'y a rien, aucune date, que dalle. Alors, je vais vous montrer comment arranger un petit peu, corriger les problèmes de la timeline si vous voyez chez vous que ça ne le fait pas du tout pareil et que vous n'arrivez pas à accéder à vos activités
antérieure des jours passés. Alors, il va falloir faire quelques vérifications. Vous allez ouvrir les paramètres en clic droit sur la barre de tâches. Paramètres de la barre de tâches. Vous allez aller à l'accueil et vous allez aller dans confidentialité. Au niveau de la confidentialité, vous allez vérifier, voilà, la quatrième entrée sur la colonne de gauche en proposition historique des activités. Vous veillez à ce que les deux premières icônes soient cochées. Enfin, suggestion, je veux dire, pas icône. Autoriser Windows à collecter mes activités. Autoriser Windows à synchroniser avec le cloud. Ensuite, vous veillez à ce que le compte, hein, votre compte lié là, hein, par Microsoft, soit bien réglé sur activer. Ok ? Voilà. Premier point à vérifier. Vous revenez à accueil. Et là, vous allez sur compte. Donc, retenez bien. Confidentialité, compte. Et là, vous vérifiez que vous êtes bien connecté à votre compte Microsoft. Hein? Donc, il y a une adresse email. Alors, pour résoudre des soucis de timeline qui ne marcheraient pas sur vous, il y a eu certaines suggestions. Bon, moi, je n'ai pas eu à le faire particulièrement. C'est de se connecter plutôt avec un compte local. Donc, si ça ne marche pas avec votre compte lié à une adresse mail, hein, de chez Microsoft, vous créez un compte local. Vous allez vous déconnecter de la session, vous connectez avec le compte local, refermez tout et après, à la réouverture ou redémarrage du PC, vous vous connectez avec votre compte lié. Hein. Voilà, je ne vais pas revenir sur les détails pour vous loguer suivant un compte local ou un compte lié à par email. Voilà, donc ça, c'est les vérifications à faire. Ensuite, il y en a qui ont proposé, voilà, une correction par base de registre, hein, d'une branche de registre. Donc, je vous la mettrai en lien pour pouvoir la fusionner éventuellement si vous aviez toujours des soucis d'affichage de la timeline. Hein, et vous feriez clic droit, fusionner sur ce fichier. Voilà. Alors, ce fichier va rajouter trois entrées essentiellement. Hein, je vous enlèverai la première qui fait partie de ma bécane, mais les trois premières, Enable Activity Feed, validé sur 1, Publish User Activities, validé sur 1, et Upload User Activities. Voilà, tout ça a trait, hein, au partage de données sur le cloud et aussi de publier donc le flux de vos activités en tant qu'utilisateur. Alors, on retrouvera la branche ici, voilà, et vous aurez ces trois branches qui sont des valeurs binaires. Voilà, hein, on reconnaît l'icône bleue. C'est une valeur binaire. Ok, donc vous aurez ces trois nouvelles entrées en fusionnant la branche. Bon, ça, je veux dire, c'est un fixe à appliquer si vraiment vous aviez un autre souci. Alors maintenant, je vais vous montrer pourquoi je vous ai montré les deux bureaux. Entre une timeline qui marche et une timeline foireuse. Voilà, où on voit que mes applications ouvertes et pas du tout ce fil chronologique. Alors, comment corriger ça? Il va falloir aller dans... Alors, pourquoi ça? Alors, ok, j'ai un bug. Voilà, c'est pas grave. Vous l'avez en direct. Ça arrive même chez les plus grands. Lol. Vous allez ouvrir le gestionnaire de service, donc avec la commande exécuter, ok, et vous allez taper service au pluriel .msc. Vous allez vérifier un petit point. Donc je vérifie, j'ouvre ici, j'ai que mes applications actives, ok. Vous allez descendre tout en bas de la liste. Hop. Et alors vous allez vérifier que le service Windows Search, donc recherche de Windows, n'est pas désactivé comme c'est le cas sur ma bécane ici. Voilà, certains d'entre vous ont pu peut-être bidouiller par le passé pour désactiver ce service
améliorer un petit peu la vitesse de chargement des services de Windows et en se disant bah ça me sert à rien, je n'utilise pas Windows Search. Alors effectivement, Windows Search, vous allez rétablir dans les propriétés en cliquant droit dessus l'intitulé et vous allez cocher l'option manuelle en démarrage. Il faut surtout pas le désactiver. Alors, vous ne le mettez pas en automatique, mais par contre, vous le mettez en mode manuel. Et là, vous faites appliquer. Et par contre, vous allez cliquer à la suite sur démarrer le service. Voilà. Donc là, vous pouvez fermer tout ça. OK. Voilà. Et maintenant, si j'appelle la vue des tâches, j'ai accès à tout mon fil d'Ariane. Voilà, chronologique. Vous voyez un petit peu? Voilà. Voilà la timeline de Windows 10. OK? Avec voir plutôt aujourd'hui, et voilà, vous avez voir toutes les 133 activités. Donc ça va rajouter des entrées pour être un petit peu plus précis dans tout ce que vous avez ouvert, créé en document, etc. Vous avez aussi voir toutes les 30 activités vers la fin de l'écran, en bas de l'écran, je veux dire. Et hop, voilà. Donc si je rajoute voir toutes les 30 activités en bas de la page, voilà, ça vous rajoute des entrées. Et après, vous pouvez faire juste revenir vers le haut de la timeline et choisir afficher uniquement les activités supérieures. Vous allez retrouver les bureaux virtuels. Regardez, voilà, ici. OK, et là, vous déplacez vos applications dans les bureaux virtuels. Alors, il est possible de supprimer manuellement, parce qu'effectivement, tout est discutable au niveau confidentialité, supprimer la timeline pour que personne n'y ait accès ou que, bon, voilà, chez vous, vous avez envie de faire vos activités tranquilles, vous n'avez pas envie d'être pisté, voilà, comme d'hab. Vous cliquez sur chaque thumbnail, vignette, pour supprimer manuellement et individuellement, voilà, cette trace. OK? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors moi, pour finir ce tutoriel sur la timeline, je vous conseille d'installer, par exemple, comment il s'appelle là? Seven Taskbar Tweaker, ce logiciel. Parce qu'effectivement, il va vous permettre de rajouter des raccourcis à la souris, notamment, sur la barre de tâches qui sont quand même très pratiques. Et plutôt cette section-là, sur la droite, dans double-clic dans l'espace vide. Alors moi, je l'ai paramétré pour faire apparaître le gestionnaire de tâches. Ou alors un clic central dans l'espace vide, ici, c'est-à-dire, voilà, pas loin de la barre des icônes système, pour faire la commande Win, touche Win plus Tab, c'est-à-dire appeler, voilà, l'affichage des tâches. OK? Comme ça me permet de me débarrasser de cette icône qui n'est pas spécialement jolie juste à côté de mon bouton démarrer. Hop. Et quand je fais un clic central sur la souris, j'appelle directement ma timeline. Voyez. Ok. Bon, écoutez, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. En tout cas, moi, je suis très content pour l'instant, même si j'ai galéré sur d'autres soucis de CPU load, de charge CPU, de problèmes graphiques sous ma Nvidia avec cette build Redstone 4. Voilà, je finis pour dire, je pense vraiment que après la version anniversaire, je resterai sous cette build et sans upgrader. Je vous dis rapidement pourquoi. Il y aura sûrement un petit tutoriel vite fait sur ça, sur la customisation Windows 10 RS4, parce que en fait, elle permet quand même d'avoir des thèmes visuels personnifiés, toujours compatibles avec Aeroglass version 1.5.10, la dernière de Big Muscle. Elle permet aussi d'avoir toujours l'effet full glass, qui est quand même très satisfaisant, vous voyez un petit peu. Avec du blur. Voilà, ça c'est ma barre d'onglet de ta barre, donc il faut pas y faire gaffe. Voilà, un full glass complètement parfait. Surtout si j'enlève le blur. Voilà, vous voyez, on est parfait. Donc voilà, effectivement, cette version vite fait, c'est comment dire,
La Redstone 4 est prête encore à des bidouilles comme ça. Très satisfaisante. Alors que j'ai testé la RS5, Redstone 5, hein, Windows 10 809. Et c'est pas du tout pareil. Voilà. J'arrive plus à avoir le mode full glass. Bon, après, c'est un détail pour les autres. Mais en tout cas, voilà ce qui m'avait poussé à upgrader finalement. Et puis, je vous dis, j'adore cette timeline. J'adore. Enfin, voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où vous soyez. Faites-vous pas chier.